Et Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Dreagan et on se retrouve pour un tout nouveau let's play qui sera sur Silent Hill 2 Remake. Oui, ça a fait depuis un moment qu'il a été annoncé. On voulait un remake de ce chef-d'œuvre depuis un bail, un jeu qui a marqué énormément de joueurs, hein, pour tous ceux qui y ont joué. Un jeu vraiment, vraiment bon, que ce côté histoire, atmosphère, tout. Ça a été un banger à l'époque de sa sortie. Il a carrément, on va dire, explosé le premier qui est sorti. Le 2 est clairement le plus apprécié de tous les joueurs. Et là, cette fois-ci, les amis, on va se retrouver sur un let's play de ce jeu. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, parce que moi, je l'attendais ce remake depuis un moment, depuis qu'il a été annoncé. Oui, il y a peut-être marqué continuer, c'était juste que j'ai lancé pour voir si le jeu, les configs passaient bien. Et mes configs de base passent nickel. Donc, rien besoin de modifier. On va faire une nouvelle partie. Alors, difficulté combat, donc ça on laisse en standard, ça on laisse en standard. Moi j'avais appuyé, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait. Casse-tête standard, ça on laisse. L'interface, on laisse. Masque de James, Pyramide Head, boîte à pizza et Mira la chiennasse. Alors, il y en a certains que vous aurez si vous avez pris la version deluxe et d'autres si vous avez la version standard. La version deluxe vous donne la boîte à Pyramide Head. Oui, le jeu doit sortir le 8, mais si vous avez pris la deluxe, vous avez 2 jours d'early access avant les autres. Et mode graphique, c'est quoi? Oh, ça c'est bien, années 90. Mais on va laisser en normal. Dites-moi en commentaire si vous allez le tester, s'il vous plaît. Moi, personnellement, je l'attendais depuis un moment. Appuie sur n'importe quelle touche. On va se taper la cinématique de base. Je vais avoir des frissons sa mère. Restless dreams, I see that town. Silent Hill. Oh putain, la musique. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. My wife's name. It's
ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? On peut se déplacer. Je ne peux pas me déplacer. Me dis pas qu'il faut que je mette le clavier en anglais. Il faut que je mette le clavier en anglais. Merci, monsieur. Merci, Konami. Mais par contre, waouh, c'est trop beau. Oh, je kiffe. Oh, oh, je me foutrai des claques. Oh, c'est trop beau. Oh, James, t'es beau, je te ferai du sale. Non, franchement, c'est magnifique. Oh, je suis trop fan. Je suis trop trop fan. Là, il n'y a pas un truc à récupérer? Comment on récupère? Ah, ok, c'est le bouton E. Carte de South Vale. La carte, c'est trop classe. Appuyez sur M. Je parie que c'est pas M, je parie que c'est virgule. Ouais, c'est virgule. Je m'en doutais. Mais par contre, c'est beau, hein. Wouah. Ah, puis la scène du début, eh, ça m'a mis des frissons, hein. La tête de Wham que j'ai eu des frissons. C'est trop beau. Regardez-moi ça, ce ciel, les arbres et tout là. Ah, quand on a joué à l'original. L'original m'a mis une claque, mais le remake me met une autre claque, mais visuelle. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Waouh. GG à Blooper Team, c'est la Blooper Team, Blooper Team, pardon, qui ont fait le remake. Hein. Bien sûr, hein, c'est Konami qui a autorisé, hein, bien sûr, parce qu'ils ont la licence, mais c'est la Blooper Team qui nous ont fait ce magnifique remake. J'entends des bruits de tous les côtés. Voilà aussi. Ils ont laissé le bruit, je crois que c'est le bruit pour nous faire croire qu'il y a un monstre, mais il n'y en a pas. Dans l'original, déjà, il y a ça. Là-bas, c'est pas le point de sauvegarde, là-bas. Dans mes souvenirs, ils en ont foutu un dès le début pour nous expliquer ce que c'était. Après, ils ont été... Non, ils ont pas fait de modif. Non. Ah non, c'est bien ça. Oh, c'est bien ça. Avec la tête de James. Trop stylé. La même phrase que de base. Quasi identique. Comme quoi, bah, ça lui fait un mal de crâne. Ah, le cimetière. On sait ce qui va se passer. Pour ceux qui ont joué. Hein. Moi, je m'en souviens. C'est trop, trop beau. Franchement, ah, je suis trop, trop fan. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just
guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Cette fameuse rencontre avec donc la fameuse Angela. Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. Ok, c'était pour dire que c'était troublant. Oui, le brouillard est très troublant. Et c'est là d'où on vient. Pas de souci. Donc normalement, on peut pas se perdre. Hein. Il suffit de suivre le chemin. Attends, j'ai envie de voir un truc. Oh, on laisse nos traces de pas. Oh, c'est trop bien. C'est un petit détail, mais moi, je trouve ça vraiment cool de voir les petits détails comme ça, de voir des traces. Même si je sais que ça disparaît au bout d'un moment. Hein. Mais... il y a le petit plaisir des traces de pas quand même. C'est cool, hein. Alors, normalement, on est où? Ah, on est donc là, on est au cimetière où on a été. Et aussi, là, après, il va y avoir le ranch. Ranch, donc le ranch de Silent Hill. Enfin, c'est ranch de Silent Hill, hein, j'ai bien vu. Ouais, le ranch de Silent Hill. Ça, même la carte, je viens de voir que c'est... je crois que c'était marqué en anglais. Je viens de voir que c'est traduit en français, la carte. Attends, j'ai fumé, non? Non, lac de Toluca. Ah ouais, quand dans l'original, c'était Toluca Lake. Ah ouais, là, ils ont vraiment géré. C'est vraiment bien traduit. Ils auraient pu laisser la carte en anglais, hein. Comme là, Silent Hill, wench. Bon, mon anglais, il pue la mort. Hein. Mais, waouh, ça fait trop plaisir. Vraiment. Ça fait trop, trop plaisir, de pouvoir jouer, quand on a joué à l'original, de retrouver les éléments en remake, c'est trop bien. Moi, perso, je suis trop fan. Hein. Là, je suis comme un gosse. Hein. Là, je suis comme un gosse. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs à trouver, de collectibles, d'objets, rien. Ah, pas d'objet. Ah, bah, obligé de passer par là. Simplement. Ah, des petites feuilles. Et on peut pas passer là. Ah, là, il y a un truc à lire. J'ai décidé d'aller en ville pour faire réparer la fenêtre. Le double de la clé est dans le tiroir. Ah, bah, merci. On va aller voir ça. Eux pour enjamber. Oh, il fait bien sombre ici. Alors, je sais pas s'ils ont vraiment changé la première apparition du monstre, j'espère pas. Pas changé. Qu'il se trouve pas ici. En tout cas, bon, j'ai la clé. I pour l'inventaire. Fais voir à quoi il ressemble l'inventaire. Nickel. On retire le loquet. Hey, t'empêche, il t'indique pas la touche. Hein. Faut que tu te souviennes de quelle touche t'as pour faire les actions dans les jeux. Il n'y a pas marqué E pour faire une action ou quoi que ce soit. Et la clé. On l'utilise. Let's go. Clé d'autopart. Oh, trop classe. Alors, donc, on va avancer un peu. À
Ah, c'est ici normalement qu'on fait le combat contre le monstre. Ça a l'air d'avoir changé. Ah non, il y a quelque chose ici. Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Parce que je sais que ici, normalement, on est censé récupérer notre arme. Je dis pas de bêtises. Alors, ils ont dû changer ça. Alors, est-ce que c'est un lien que c'était l'endroit d'origine où on affrontait la bestiole et c'est une sorte de souvenir? Ou de flashback? C'est pas du tout. Oh, la musique, elle change. Là, on sait que ça va être... Bah, ça va chauffer pour nos fessiers. Enfin, notre fessier. Nos fessiers, c'est comme si j'avais plusieurs fesses. Vous imaginez, Dragon avec plusieurs fesses? Ou mon perso avec plusieurs fesses? Non, non, bah non, faut pas imaginer ça, monsieur. Dragon, après tu dis ça sur les vidéos YouTube. C'est pas bien, je suis d'accord. Mais ça fait trop plaisir. Oh, ça fait trop plaisir. Je saurais dire... Ah, par contre, d'avoir vu Angela sur les trailers, ça me fait un peu bizarre du style qu'ils l'ont changé un peu du niveau physique. Là, dans la... Alors, je sais pas, c'est parce que si j'ai vu plusieurs fois la cinéma... J'avais plusieurs fois vu des scènes, des trucs comme ça apparaître sur les réseaux avec le trailer d'Angela. Là, ça me choque moins, mais je préférais quand même l'original. Je vais pas vous mentir, je préférais l'original. Original game. Attention, je vais me kick parce que je parle en mode japonais. Ah oui, je tiens à préciser que donc en voix, il y a les voix anglaises et les voix japonaises. J'ai trop envie, après avoir fini le jeu, de tester avec les voix en japonaise. Ça me ferait trop kiffer. Vraiment. Voilà, James a littéralement chouravé une map. Ah, je tiens à préciser, il a littéralement chouravé une map, le James. Oh, c'est un truc avec des fleurs, là, un fleuriste ici. Oh oui, c'est vrai qu'on peut rentrer dans les bâtiments. Ça va être excellent, ça, monsieur. Vraiment. Mademoiselle Cassandra. Un client est venu aujourd'hui et a commandé un bouquet de roses. De roses rouges et blanches. J'ai tenté de lui dire que cette association portait malheur. Mais il n'arrivait pas à se décider. Il semblait ailleurs et me regardait comme si je n'étais pas là. Puis il est parti en disant qu'il repasserait les chercher plus tard. Je voulais vous prévenir car je ne serai sûrement plus là quand il repassera. Pas de soucis. Donc on a un truc du fleuriste. C'est cool. Mais c'est classe les petits ajouts comme ça, là, les petits nouveaux lieux. Ah, il y a un ratatouille qui est passé. Par terre, ça c'est du sang. What is this? The blood. The blood, James. The blood. Mais c'est pas un Blood Mary. Oh merde, putain. Oh non, putain, j'ai dit Blood Mary. C'est vrai que sa femme, elle s'appelle Mary. Un Bloody Mary. C'est du sang de ta femme. Un Bloody Mary, James. Il va m'engueuler. Le James, il va m'engueuler. Ça a l'air d'être là. Il a l'air de devoir passer par là. Ouais. Ça a l'air d'être le cas. Il y a du sang ici. Encore du sang là. Donc si on suit la logique, il faudrait passer à droite parce que le sang va vers la droite. Si on suit la... Oh, les bâtiments. Oh. Ah, franchement, même si c'est un petit détail, voir les petites maisons comme ça, ça fait plus vivant. Je kiffe. Eh, franchement, je suis trop fan. Je kiffe trop de ouf. Hein. Bon, bah, on va avancer. On n'a pas le choix, de toute façon. On passera après, je sais pas où. Mais on avance. Tranquillou. Hey! Wait! Déjà, quand tu vois la position qu'il était, le monsieur James, moi, j'aurais pas été
En mode, hé, une minute, tu peux venir, s'il te plaît, on va discuter, oh, regarde, on prend le café ici, puis on se fait un petit... Un petit alcool, tranquille. Oh, les sons, là. Les sons pas rassurants du tout, je te le dis clairement, moi. Je pense pas qu'on peut récupérer des trucs ici, hein. On peut pas avoir des collectibles ici. On peut monter jusqu'à là. Ah ouais, c'est stylé. Ils auraient pu te foutre un mur invisible, mais non. Non, franchement, c'est trop beau. Ah, on va avancer. Le sang, il est là. Il passe à gauche, le sang. Ah, on va rencontrer le monstre autre part que dans le lieu d'origine. Bah, après... C'est une bonne façon de faire, hein. Un remake, ils ont quand même le choix de prendre des risques et les risques, ils peuvent être très bons. Hein. Ah, là, il y a une porte. On va passer. Mais dis pas bonjour, t'as pas vu que c'était un monstre? Moi, je me serais déjà cassé à ta place. Bon, après, tu veux ta femme, hein. Parce qu'elle est soi-disant morte, mais t'as envoyé un t'as reçu une lettre d'elle. Je peux comprendre, James, mais bon... Je sais pas, moi je dirais non, monsieur. Moi non, non. Regardez autour de vous pour trouver des objets marqués avec un tissu blanc. Ce sont des points de traversée avec lesquels interagir. Genre là. Genre ça, c'est un tissu blanc. Non? Ah bah oui, pour ramper. Eux, c'est pour ramper et pour enjamber. Bon, bah déjà, ça c'est bon à savoir. Ah! J'ai tout cassé. James! James Sunderland! Vous avez tout cassé, monsieur. C'est pas très... C'est pas très cool, ça, tout ça. Y'a rien ici? À part un pieu, y'a rien. Mais en tout cas, c'est trop bien fait, hein. C'est trop cool. Des bâtiments où on peut aller. On peut pas ouvrir ça? Oh! D'huile, boisson revigorante, nutrition supplément. Appuyez sur V pour utiliser la boisson revigorante. Ah, comme dans Resident Evil. Le dernier, là. Le Village. Le Resident Evil 7. Où il fallait appuyer sur un raccourci pour pouvoir... utiliser le heal rapidos. Là, il y a ça. Là, on peut passer? Non, on peut pas. Il en rigole, il fait... Ah bah, on a notre radio. Ok, ça c'est pour taper. Esquive. Ah, il crash. Comme dans l'original, il crash. Nickel. Oh, c'est cool. Et le coup de pied, moi je vais mettre le coup de pied. Oh yes, on peut mettre un coup de pied. Oh yes, on peut mettre un deuxième coup de pied. Attends, même quand il est mort, on peut le taper? Oh, toi je vais défoncer. C'est un message pour tous tes potes de cité. Allez. Ah, je peux plus. Je peux plus le taper? Ah si, je peux encore. Oh, ça met du sang sur ma... Oh, sur ma batte cloutée. Voilà, ça c'est sang de tout tes... de toi et tous tes futurs potes, enfoirés. Je te le dis. Le mec qui se déchaîne sur le monstre. C'est la porte qui a fait ce bruit-là? On peut esquiver hors combat? Oui. Et on peut taper. Non mais c'est cool, en fait, eux, c'est l'interaction pour les objets, pour tout. Pour enjamber, pour ramper. Oh la seringue, c'est une sorte de soin. Mais en mieux quoi, je crois. Je sais pas si c'est autant mieux que la trousse de soin. Je ne sais pas. C'est pas du tout.
Ah, on peut briser la vitre. Oh, trop cool. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, dans les Silent Hill, la radio est importante. Ok, on peut l'allumer, on peut l'éteindre. La radio est importante. En fait, la radio te permet de te dire où sont, à la base, enfin, quand il y a des ennemis autour de toi. Mais c'est un moyen d'attirer aussi les monstres sur toi. Donc c'est... Dans mes souvenirs, ça les attire. Donc, mais oui, c'est celle qu'on a entendue dans la radio. Clairement. Bon, on va avancer. Ah, il y a un truc là. Oh ! Nelibar. Ah, on peut pas le faire pivoter. On a une petite boîte d'allumettes. Appuyez sur M pour voir la carte et les nouvelles infos. Oui, c'est vrai, quand on est passé à certains endroits, Silent Hill, c'est le meilleur jeu dans le terme par rapport aux maps aussi. T'as jamais trouvé une map? Imaginons, on ouvre une porte ou qu'on n'ouvre pas une porte parce qu'elle est soit fermée à clé ou complètement détruite. Et bien, la map va... Le perso va gribouiller sur la map pour dire « Je suis passé là. » Comme vous voyez, là, il dit que je suis passé vers la maison et que je ne peux pas y retourner. Là, regardez sur la droite, ça veut dire je ne pourrais pas y aller. C'est excellent. En termes de map, à l'époque, c'était les meilleurs. Il est où? Ah bah, je l'ai pas vu ce papier-là. Ah bah non. Si vous lisez ceci, fuyez, cet endroit n'est pas ce qui paraît. Parfois, il suffit de regarder derrière. Bah, retournez. Ah bah, fuyez ou... Cours, quoi. Ouais, voilà. Wen. Il est où, le... J'ai entendu un monstre, non? Ouh! Oh, il m'a surpris, ce petit con. Bien joué. Ah, mais il est parti là-bas. J'ai vu qu'on peut mettre carte suivante. Ce qui est très fort intéressant, en soi. Mais la carte, franchement, elle est vraiment bien foutue, hein. Et même pour l'époque, comme je vous ai dit, pour l'époque, c'était perfecto, hein. Perfecto. Bon, et ben les amis, pour ce premier épisode, je pense qu'on va se laisser là. Je vais essayer de vous faire des épisodes pas trop longs, quand même. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez joué à l'original, si vous allez faire le remake. Si il vous tente, ou si vous avez préféré regarder le let's play pour voir ce que ça donne, parce que vous en foutez des spoils. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Moi, je suis en kiff total et hâte de faire la suite avec vous. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao, mina.